Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des stratégies simples et efficaces en investissement sur les marchés et sur d'ailleurs tout type hein, d'investissement. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va regarder un petit peu les graphiques, mais surtout le graphique du pétrole que vous avez là en rouge avec toutes nos moyennes mobiles hein, qui va être zoomé hein, de façon à voir où on en est. Mais en attendant, regardons ce qui se passe depuis les années 2000. Et on voit que depuis les années 2000, ce graphique nous montre que hein, on a une tendance quand même haussière sur le pétrole, même si on a des hauts et des bas. Hein, on voit que c'est très erratique. Et bien écoutez, ça c'est l'apanage du pétrole. Alors, que constate-t-on et que peut-on en déduire? Alors après, ce sont des déductions hein, factuelles, mais qui peuvent toujours laisser les cours aller de façon opposée à ce qu'on pense. Hein. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Alors, on observe une chose, c'est que la courbe noire est en retard par rapport à la courbe rouge multicolore. Et la courbe noire, c'est la courbe de Total. Donc on observe que l'action Total est délaissée et ne suit pas ou plus la courbe du pétrole. Et donc, bien qu'elle le suit hein, dans les grandes lignes, mais elle a pris beaucoup de retard par rapport à cette dernière. Alors, autre chose, c'est que en fait, vous avez une phase baissière hein, sur le pétrole, on voit ce range hein, que je vous ai tracé, qui donc est en phase baissière, alors que la courbe en noir que vous voyez est en phase haussière. Et la courbe en noir, je vous rappelle, c'est Total Energy. Et on voit que depuis les années 2000, Total Energy ne fait que monter. Et on voit que Total Energy, on va dire depuis le mois de juin, ne fait que monter, alors que le pétrole, lui, ne fait que baisser. Donc en fait, on a une divergence compte tenu de ces deux canaux, un qui est baissier et l'autre qui est haussier. Alors, à présent, faisons un petit zoom. Alors voilà, on voit que le pétrole est toujours acheteur hein, puisqu'on a eu un signal d'achat sur cette zone-là. Donc on était très très bien engagé pendant toute cette période et on voit que le pétrole est toujours haussier puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse sur le pétrole. On observe que Total Energy est toujours en retard, alors un petit peu moins en retard puisque la période est plus petite, mais on observe toujours néanmoins un retard de l'action Total Energy, mais que ce retard a tendance à s'amenuiser au fil du temps qui passe. Alors à présent, passons sur Metastock afin de regarder le graphique de Total Energy et de regarder ce que nos algorithmes et en général ce que l'analyse graphique préconise de faire sur ce titre. Nous avons toujours notre phase baissière et extrêmement baissière hein, sur ce titre Total Energy. Donc on a un trend que j'ai tracé ici sur les plus haut hein, qu'on avait sur cette période et on voit que ce trend est cassé. Donc ça c'est très positif, c'est acheteur en fait, hein, c'est tout simplement un signal d'achat que je vous avais déjà donné jeudi, hein, je vous avais déjà dit que on avait cassé ce trend. Dans le même temps, on a cette flèche verte qui est un signal d'achat algorithmique qui avait devancé hein, la cassure hein, de ce trend vers le haut. Donc on a une double configuration sympathique haussière, sans compter ce que je vous ai dit tout à l'heure, le retard de Total sur les graphes du pétrole hein, en superposition. On voit bien des points hauts et des points encore plus hauts, hein, puisqu'on peut aller au-dessus de 60 sur ce titre. Hein. On a encore de la marge pour retracer, comme on dit. Et donc, globalement, on ne peut être que positif graphiquement, hein, en termes d'analyse graphique sur ce titre.
Alors, un titre qui nous a quand même reversé 17 milliards de dollars à nous, actionnaires, soit 37% du cash flow, hein, quand même. Et donc, ça s'est traduit par un dividende en hausse de 6,5%. Et de plus, un dividende exceptionnel de 1 euro avait, je vous rappelle, été versé en décembre. Et donc, globalement, très très bon résultat l'an passé, mais conforté par des résultats en fait relativement très très bons, enfin moi que je juge relativement très très bons, pour ne pas dire excellents, le conseil d'administration a récemment confirmé l'augmentation de 7,25% de ce dernier en acompte au titre de l'exercice 2023. Donc globalement, en plus de la poursuite du programme de rachat d'actions pour la modique somme de 4 milliards, on ne peut pas dire que l'action totale est mal gérée, que la société totale est mal gérée et que l'action totale est à son juste prix. Je pense qu'elle a un très très gros retard et moi je persiste à penser que c'est une valeur qui devrait se négocier autour de 70 à 75 $ le titre. D'autant que les amis, c'est une société qui a investi près de 4 milliards en 2022 pour les énergies renouvelables et en 2023, c'est à présent 5 milliards qui vont être investis dans ce secteur, donc la transition énergétique, hein, totale, l'a intégré dans ses futurs résultats finalement. Et je précise que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, hein, d'ailleurs Patrick Pouyanné l'a encore rappelé dans sa dernière lettre aux actionnaires, que ces chiffres ne comprennent pas les investissements dans le gaz et dans le GNL. Alors Total Energy, c'est aussi des projets, hein, des projets par exemple dans le solaire en Espagne, avec 48 centrales solaires. C'est aussi des accords avec Couche-Tard concernant les réseaux de distribution dans certains pays d'Europe. C'est le Suriname qui a donc permis à Total Energy de renforcer sa présence dans les bassins émergents de classe mondiale, la recherche de pétrole à faible coût. En Belgique, concernant les stockages par batterie, Total Energy a lancé en mai sur le site de sa raffinerie d'Anvers en Belgique son plus grand projet de stockage par batterie en Europe et il est destiné au stockage d'énergie d'une puissance de 25 MW, d'une capacité de 75 MW, soit l'équivalent de la consommation journalière de près de 10 000 foyers. Voilà, c'est une installation qui sera opérationnelle fin 2024. Vous voyez, il y a beaucoup de projets en cours et perso, moi, c'est une des majors pétrolières que je préfère. Et en plus, on peut la mettre sur son PEA. Et je vous rappelle que c'est quand même intéressant de pouvoir placer ces titres sur un PEA fiscalement. Alors, à présent, regardons le portefeuille Power Trade. Et on voit que le portefeuille Power Trade, avec ses 9 200 titres total, hein, je vous rappelle que c'est notre plus grosse pose puisqu'elle représente pratiquement 60% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Je vous rappelle que Taïwan Semiconductor, c'est pratiquement 5%, Bouygues, c'est 5%. Ainsi que AXA, Coface et Michelin, et tout ça, en fait, ça représente vraiment pratiquement l'ensemble, hein, de nos investissements, puisqu'ensuite, ce ne sont que des petites lignes. Alors, ce portefeuille se porte bien, hein, puisque vendredi, on a eu l'explosion du titre Total Énergie qui nous a propulsé un petit peu dans les plus hauts jamais atteints, puisque notre portefeuille s'adjuge 11,28%
depuis le début de l'année, et c'est donc 84 344 euros qui sont engrangés depuis le 1er janvier 2023. À présent, regardons le portefeuille débutant et on voit que le portefeuille débutant, eh bien, il booste bien hein, grâce aussi à Total Energy, hein, puisque je vous rappelle que nous avons débuté depuis peu ce portefeuille et que Total Energy nous a bien aidé à redresser un peu plus la courbe que nous allons voir tout de suite hein, de progression du portefeuille. Donc débutant qui, je vous le rappelle, prend tous les bénéfices que nous gagnons sur les publicités que YouTube nous donne ou sur les primes de parrainage. Donc ce portefeuille, hein, je vous encourage à regarder les vidéos précédentes pour voir un petit peu l'évolution de ce portefeuille, mais ce portefeuille depuis le début de l'année gagne donc 34,23% et c'est 119,82 euros qui sont gagnés depuis donc le 1er janvier 2023. Et donc graphiquement, on voit bien que la courbe hein, est bien orientée et que voilà, l'objectif d'arriver le plus rapidement que possible au-dessus de 500 euros, hein, qui est notre premier objectif psychologique, on va dire, n'est pas très très loin. Et donc voilà, j'ai bien confiance de voir ce portefeuille YouTube, hein, ce portefeuille débutant, arriver à vous convaincre qu'on peut partir de rien, qu'on peut partir de peu pour commencer à donc investir. Alors à présent, regardons sur Metastock l'évolution du CAC 40. Hein. Donc on avait eu un très très joli mouvement haussier. Là, on a eu une période de doute. Hein. Je vous avais dit que cette zone entre ce trend bleu là que vous avez et ce trend bleu ici, hein, ce range qui vient de très loin, était une zone sur laquelle au-dessus nous serions très acheteurs et au-dessous très vendeurs. Cette zone là était une zone de turbulence en fait et nous venons de la passer. Nous avons donc notre signal acheteur algorithmique ici qui a eu lieu donc jeudi, vendredi on est sorti un petit peu de ce range dont je vous parle et puis là on a boosté et donc on est vraiment sorti. Donc je pense que là on est plutôt dans une phase ascensionnelle assez forte. Néanmoins, sur 7357 points, nous repasserions vendeurs sur le CAC 40. Sur le DAX, hein, nous sommes toujours acheteurs aussi, et donc sur 16093 points, nous repasserions vendeurs si ces points étaient touchés donc lundi. Sur le S&P 500, on a un plus joli parcours, hein, puisqu'on est vraiment haussier depuis très bas. Mais nous repasserions vendeurs si 4538 points étaient touchés lundi. Et pour terminer, les amis, regardons un petit peu notre phase trading sur le CAC 40 et on regarde ça sur le compteur à pépette. N'oubliez pas les pouces bleus, les amis. Alors, et vous abonner, bien sûr. Alors, donc, nous sommes à 91 points de gain sur le trade en cours et c'est 2542 points qui ont été gagnés donc depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 39 fois gagnant et 37 fois perdant. Alors, sur le DAX, c'est 69 points qui sont gagnés sur le trade en cours. Nous gagnons 3238 points depuis que nous traitons cet indice et c'est 24 trades gagnants pour 22 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat. Le S&P 500, quant à lui, nous fait gagner 119 points et c'est 640 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons cet indice. Nous avons traité 20 fois gagnant pour 17 fois perdant pour aussi réaliser ce résultat. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 6,23 pips. Et donc c'est 23,86 pips qui sont donc gagnés depuis que nous traitons le Brent. Nous avons traité 15 fois gagnant pour 8 fois perdant. Je rappelle qu'on traite le Brent avec la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, paramétré à la clôture.
L'ensemble de ces quatre indices ainsi traités nous fait gagner 6444 points depuis que nous traitons ces indices. Hein, c'est le total de ces quatre indices. Et le total de ces quatre indices nous fait gagner donc 112 992 euros au total. Et donc, quand on analyse le graphique, hein, de l'évolution de notre performance sur les marchés futurs, hein, où nous gagnons actuellement 6444 points comme on l'a vu précédemment, et que nous étions partis de 0 au mois de juin 2022, on voit qu'en 13 mois, on a quand même très très bien performé. Voilà, on est dans un range haussier. Je vous encourage quand même à faire très attention à vos pauses, hein, de ne pas avoir des pauses trop importantes, hein, sur les marchés futurs. On a vite fait de se rétamer et de cramer un compte, hein, quand on est trop gourmand. Je vous le rappellerai jamais assez. Donc voilà, on a une belle courbe de progression. On voit qu'on extrait de la performance petit à petit, malgré des moments assez difficiles qu'on a connus dernièrement. Nous performons donc quand même très très bien, mais je vous rappelle que les marchés futurs, hein, c'est un combat de tous les jours, hein. Il faut jamais baisser la garde, hein, parce que on a encore une fois très vite fait de se prendre une douche froide et de perdre beaucoup d'argent, hein. C'est un secteur d'activité où il faut être fort dans sa tête, où il faut être en bonne condition physique. Il faut savoir respirer et avoir bien sûr un système que l'on suit, un système qui a été backtesté, un système qui fonctionne. Voilà, même si parfois, hein, on a, comme là dans cette période-là, eu une phase difficile, mais voilà, on ne peut pas avoir un système qui performe tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, c'est impossible, c'est mission impossible. Par contre, d'avoir un système qui, sur le long terme, nous permet d'extraire de la performance, c'est quelque chose de tout à fait possible, mais qui demande beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et voilà, avez-vous assez d'énergie pour pouvoir faire cela? Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à demain, mais portez-vous bien!